transhumant les carnets, je me suis mis debout, ça change un peu. Je vous ai parlé de Judith Chalinski, ce livre, titre français de Inventaire des choses perdues, mais le titre allemand c'est Zeichnis der Verlust, répertoire de ce qui est perdu, ou liste de ce qui est perdu, choses qui sont perdues. Inventaire, c'est trop exhaustif, ça m'avait un petit peu retenu de le lire, et puis quelle merveille, c'est 14 exemples, et c'est merveille mise en page, et quand j'en ai lu et un extrait, et que j'en ai parlé, j'ai parlé du fait que pour moi, Judith Chalinski, c'était Atlas des îles abandonnées. Et Atlas des îles abandonnées, c'est paru en Allemagne en 2009, ça a été traduit très très vite en France, c'est Artaud, grosse maison, je crois que c'est dès 2010-2011, et maintenant c'est devenu un petit peu classique, mais tu vois ce qui s'est passé, c'est que pour moi ça c'était un livre objet, c'était une belle tentative, un petit peu au coin du plastique, des curiosités, des choses qu'on est toujours heureux de retrouver, mais a comfortable book, un livre pour mettre là dans ton salon, moi c'est pas le genre, là. Les livres ils sont là-dedans, mais de mieux comprendre la démarche narrative de Chalinski et le fait qu'elle utilise là dans le répertoire du perdu toujours un mode documentaire associé à sa recréation libre à côté, mais je l'ai repris un peu différemment, cet atlas des îles abandonnées. Et d'abord, le fait, ce que je n'avais pas compris non plus, je me disais, waouh, bravo le travail d'édition. Mais quand on lit celui-ci, ce qu'il nous dit, c'est que la mise en page, la mise en théâtre du livre, elle est de l'autrice elle-même. Et celui-ci, avec cette belle reliure cartonnée, la tranche toilée, le jeu des couleurs, chaque page dans cette tonalité un petit peu bleu-vert. Mais oui, mais on parle d'île, donc c'est comme la mer, mais avec ce rythme-là de grandes cartes orange et la tranche elle-même orange. Et puis, quand tu le réouvres, tu aperçois par exemple que dans son intro, chaque fois qu'elle fait référence, là dans l'intro, à une des îles dont elle va parler plus tard, Floreana, Puka Puka, eh bien elle indique la page et c'est en orange. C'est-à-dire que tu as un livre que tu pourrais presque cliquer comme un texte interactif. Alors évidemment, le livre, tu peux toujours essayer, parce qu'on se fait souvent prendre, nous qui sommes habitués au numérique, mais ce jeu de couleurs avec indication de page et le fait que l'intérieur du livre vienne retraverser ici l'île Campbell, l'île Macquarie, l'île Socorro, l'île Rodolphe, l'île Pierre Ier. Il y en a 50 des îles dans ce livre. Et idem, à la fin, il y a un index. Alors, Judith Chalinski est née en 1980 à Greifswald, ville d'ex-RDA située au bord de la Baltique. Elle a étudié l'histoire de l'art et le graphisme. Écrivain et designer, elle vit actuellement à Berlin. Son Atlas des îles abandonnées a reçu le prix du plus beau livre allemand de l'année 2009. Mais oui, l'index, là encore, deux couleurs, 5 Hilda, 16, 26, 32. On a un livre dans lequel la navigation dans l'épaisseur n'a rien de linéaire. Et le prologue, ben justement, tout d'un coup, ayant lu celui-ci, comprenant autrement Judith Chalinski, attendez, je vous lis le début de son prologue. J'ai grandi avec les atlas. Enfant, bien sûr, je n'allais jamais à l'étranger. Qu'une fille de ma classe fût réellement née à Helsinki, comme l'indiquait son passeport, me paraissait inimaginable. Helsinki, 8 lettres qui devinrent pour moi la clé d'un autre monde, et aujourd'hui encore, tombé sur des Allemands nés à Nairobi ou Los Angeles, me plonge dans des abîmes de perplexité quand je ne les prends pas carrément pour des imposteurs. C'est comme s'ils prétendaient venir de l'Atlantide, de Thulé ou de l'Eldorado. Je sais pertinemment que Nairobi et Los Angeles existent dans la réalité, ne figurent-elles pas sur les cartes? Mais qu'on puisse vraiment y être allé, voire y être venu au monde, ne cesse de me stupéfier.
Si j'aimais tant les atlas, c'est sans doute parce que ces lignes, ces couleurs, ces noms remplaçaient des lieux réels que je n'aurais jamais pu visiter. Mais cet amour survécut au grand chambardement, quand le monde me fut ouvert, que mon pays natal, donc l'Allemagne dite de l'Est, eut disparu des cartes, lui et ses frontières politiques et mentales. Car j'avais pris l'habitude de voyager du bout des doigts dans les atlas et de conquérir les contrées lointaines dans le salon familial en murmurant des noms étrangers. L'atlas feuillet de Mann, le premier de ma vie, était le reflet d'une idéologie. Disposée sur une double page, elle faisait figurer la République fédérale d'un côté, la RDA de l'autre, à défaut de murs ou de rideaux de fer, une insurmontable rainure d'un blanc éclatant divisait le pays. Inversement, les atlas scolaires d'Allemagne occidentale se plaisaient à souligner l'existence provisoire de la RDA par des frontières en pointillés, la mystérieuse abréviation SBZ. Je le découvris plus tard quand je fus forcé d'apprendre par cœur dans le dire que, en usage à l'ouest, les fleuves et les montagnes de mon pays, désormais deux fois plus grands. Depuis, je me méfie des cartes géopolitiques où les pays du monde ressortent de toutes les couleurs sur le bleu des mers. Elles sont vite obsolètes et renseignent avant tout sur ceux qui gèrent provisoirement telle ou telle tâche colorée. Vous voyez où elles s'embarquent ? Il y a quelques années, un professeur de typographie me montra un énorme livre qu'elle conservait dans une armoire massive où elle rangeait les plans. J'avais déjà vu, entre autres pièces de sa collection, des albums de poésie historique et une édition très ancienne d'une somme au titre prometteur. « Je te dis tout ». Ce n'était pas peu dire. Dans ce volume, les coupes de dentures humaines succédaient aux planches exhaustives de styles de barbe et le tableau des principaux attentats de la modernité aux dates des conciles œcuméniques, ce qui avait permis de donner à la colonne le titre sublime de « Concile attentat ». Mais voilà qu'elle sortait un in-folio en papier de soie froissé, enveloppé de papier marbré bleu qui éclipsait même, je te dis tout, chaque page jaunie et polie par le temps était constellée de constructions géométriques, de croix, de cases, de lignes simples, doubles, triples, pointillées et continues, de pleins, de déliés, d'italiques ou de fioritures, d'abréviations, de flèches, de symboles, de champs de couleurs à l'aquarelle, de hachures tout en finesse. Ici, tous les acteurs du récit cartographique étaient répertoriés et reproduits un à un, y compris les petites bordures rayées de noir et blanc et les indications d'échelle. À certains endroits, le trait de plume était encore gauche, mais d'autres pages étaient si parfaites qu'on les aurait crues dessinées de mains d'hommes, etc., etc., etc. Je m'étais toujours baladé dans le livre, mais j'avais pas lu cette intro extraordinaire. Dans l'enfluisseur aussi, dont je parlais récemment dans le carnet, il y a un très beau texte sur les atlas, je crois que c'est dans chose, non chose. Il y a toujours cette contrainte que on travaille en double page, tiens, ça s'ouvre sur Robinson Crusoe, pourquoi pas, où il y a à droite une représentation cartographique de l'île en question, et à gauche, donc à droite, en belle page, et à gauche, océan Pacifique, puisque le livre marche par océan, 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 Robinson Crusoe, île Juan Fernandez, Chili, espagnol, anciennement Isla Mazatierra, l'île la plus proche du continent, 96,4 km², il y a les coordonnées GPS, 33 degrés, 39, enfin les coordonnées latitude, longitude, pourquoi je dis GPS, île Alexandre Kirk, distance 150 km, Chili, distance 630 km, Floreana, 3270 km, et le séjour d'Alexander Selkirk, ici dans une ligne du temps. Donc il y a des lignes d'espace, des lignes géographiques, et là, une ligne du temps, et puis donc, le texte qui reprend tout ça, le journal de Robinson Crusoe se trouve à Berlin. Oh, vous sauriez aller le chercher là, vous. Sur un rayonnage oublié de la Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, prétend David Caldwell, du Musée National d'Edimbourg. Dans ce navire à livres, tout le monde s'affaire, depuis 10 ans, les mêmes visages derrière les encyclopédies, sur le pont supérieur, sur la terrasse au globe de taille humaine. Chaque table est un royaume insulaire. Tous viennent ici pour écrire une page entière par jour quand ça marche bien, une demi-page
voyage, quand ça marche mal. Caldwell est resté un mois complet sur cette île. Tout ce qu'il y a trouvé fut un morceau de bronze anguleux, etc. Alors je m'étais dit, en hommage donc à Judith Chalansky, c'est vraiment pour inciter à aller voir cette, là, chez Ypsilon, ce livre inventaire des choses perdues, de prendre comme ça une petite série d'îles, pourquoi pas dans le Pacifique, peut-être, et finir avec l'île Clipperton, parce que c'est une île française. Oh, je sais pas. Allez, on ouvre comme ça et on va aller voir. Île Holland, île Phoenix, États-Unis, anglais, Holland Island. Elle est la première femme à survoler l'Atlantique en solitaire, la deuxième personne après Lindbergh de Terre-Neuve à l'Irlande du Nord en 14h56. Amelia Earhart, pionnière de l'aviation qui inscrit à la vapeur blanche de nouveaux records dans le ciel, vol de Los Angeles à New Jersey et d'Honolulu à Auckland. Ses exploits sont d'ordre céleste. Elle est toujours la première, mais elle veut tenter une chose que nul encore n'a réussi, être la première à voler autour du globe en suivant sa circonférence maximale. Entre guillemets, je suis consciente du danger, je veux le faire, je le veux, c'est tout. La dernière photo de son périple de 29 miles autour de l'équateur nous montre un couple disparate devant le Lockheed 10E Electra, son bimoteur métallisé de forme aérodynamique. Amelia Earhart a les poings négligemment posés sur les hanches, grande, élancée, la fermeture éclair de sa combinaison de pilote. Ouverte, sa tête bouclée, un peu penchée de côté, elle arbore un sourire conquérant. À ses côtés, Fred Noonan, son navigateur, un petit air de fille effacé, consciencieux. Le 2 juillet 1937, au matin, l'avion décolle de la pile chaotique de l'île Lae, au bord de la mer des Salomon, avec un plein d'essence suffisant pour 20 bonnes heures de vol. Ils ont le monde entier derrière eux, 22 000 miles. Il ne leur manque plus que cette dernière partie au-dessus de cet océan silencieux qui s'étend sur la moitié du globe, devant la côte de l'île Holland. À 2556 miles de là, les attend l'Itasca, un bâtiment des gardes-côtes américains avec du combustible et des lits tout frais. L'atoll est si petit qu'un nuage suffit à le cacher. À 7h42, on entend par radio la voix d'Amelia Earhart. Nous devrions être au-dessus de vous, mais nous ne vous voyons pas. Le carburant commence à baisser. Une heure plus tard, nouvel appel. Nous volons 157-337 degrés, cours nord-sud. Sur l'Itasca, tout le monde scrute l'horizon à la jumelle. On émet des signaux, mais l'éther ne répond plus. Amelia Earhart disparaît peu après la ligne de changement de date, en plein vol, vers le jour précédent. L'océan se tait. Tu vois, à la limite, sur les 50, j'aurais lu que celui-ci. T'as tout compris. C'est pour ça qu'il faut la voir, ce texte. Hill Macquarie, Australie, anglais. Macquarie Island, 17 juillet 1810, découverte par Frédéric Hasselborg. Tout en longueur. Ce lieu rude, constamment humide, ne fit jamais partie des terres. Il nous vient tout droit des profondeurs marines. C'est un morceau de croûte terrestre des fonds océaniques accidentellement projeté au-dessus du niveau de la mer, l'épine dorsale émergée d'une arête sous-marine. Ici, à mi-chemin de l'Antarctique où se rejoignent les chaudes eaux septentrionales et les froides eaux australes, la mer est toujours déchaînée, tout accostage périlleux. En janvier 1840, l'équipage du Peacock parvient lui aussi à grand-peine à gagner l'île sans chavirer. À terre, les hommes passent cette nature rude au peigne fin, recueillent quelques échantillons de sa maigre végétation et le lieutenant Charles Wilke de conclure l'île Macquarie n'incite nullement à la visite. Le cadet, Henry Held, est bien le seul subjugué qui entreprend en solitaire une excursion vers le Heard Point. Sur chaque baie, sur chaque plage, les épaves de navires pourrissent sous un tapis d'herbe clairsemé, carcasses de bateaux perdus dans la mer des pingouins qui peuplent l'île par millions. Il a beau avoir entendu parler des fantastiques qualités d'oiseaux qu'on peut trouver sur les îles inhabitées,
Il ne s'attendait pas à une masse aussi impressionnante. Tous les versants des collines plissées en sont littéralement constellés. Jamais encore, il n'a entendu si effroyable cacophonie de caquetage et de cancan. Il n'imaginait pas qu'un peuple de volatiles pût produire semblable vacarme. De tous côtés, il tente de la gripper, morde les pans de ses pantalons, le pince si fort qu'il bat en retraite, acculé, le ventre blafard, la mine sombre, le bec pointé en avant, les créatures encerclent l'intrus. Ils avancent, de plus en plus nombreux, droits sur pattes, inébranlables, d'un pas d'édile compassé, jusqu'à ce que Henry Held ait complètement disparu dans cette marée noire et blanc. Comment le texte installe alors une histoire. C'est comme c'est traduit en plus, vraiment magnifique. Attendez que je recherche. Traduit par Elisabeth Land. Respect. Fangataufa. Allons-y. Fangataufa, archipel des Tuamotu, Polynésie française. Février 1826, découverte par Frédéric William Beechey. On a partagé les colonies et gagné deux guerres mondiales. Pour passer au rang de grande puissance, il faut la bombe. La quatrième force alliée suit le mouvement. Elle veut inspirer mondialement le respect avec l'arme nucléaire, dissuader, manifester son importance. Les premières bombes atomiques françaises explosent dans le Sahara. On en avait parlé l'autre jour à cause de Jacques Roubaud, vous savez qui était la toute première. Quand l'Algérie et son désert acquièrent l'indépendance, il s'agit de trouver un nouveau coin perdu pour la force de frappe. On pense d'abord à l'île Clipperton, on ira voir après l'île Clipperton, je finirai avec ça, isolée, puis à l'archipel des Kerguelen, battu par les vents, et on finit par élire pour ce funeste projet un lieu charmant, deux sites de Lagon, des Tuamotu, éloignés des regards du monde, Mururoa et Fangataufa. Deux atolls inhabités où la nature est intacte et opulente. Quand les Français débarquent à Fangataufa, ils forcent à la dynamite un passage au nord dans la langue de terre qui ceint le lagon pour l'ouvrir à la navigation et distribuent aux habitants des atolls voisins des lunettes solaires protectrices. Le 24 août 1968, tout est fin prêt pour le grand test, l'explosion de la première bombe française à hydrogène, la plus grosse qu'on fit jamais exploser, d'une force de 2,6 mégatonnes, 100 à 1000 fois supérieure à celle d'une bombe atomique. Lesté de la bombe de 3 tonnes, un ballon d'hélium monte à 520 mètres d'altitude. Quelqu'un prononce le code de l'opération, Canopus, le nom de la deuxième étoile la plus brillante du firmament, située tellement au sud qu'on ne peut la voir de la France. Tout aussi peu que l'explosion de cette bombe à 19h30, heure de Paris, dans le ciel s'élève un nuage géant qui s'effile en une spirale de vapeur d'eau pulvérisée. Le souffle de la bombe se propage, projette une ombre en forme d'anneau sur le lagon, sur l'atoll, sur la mer et soulève sur l'océan une énorme vague qu'il pousse sur l'horizon. Après, il n'y a plus rien. Plus de maisons, plus d'installations, plus d'arbres, plus rien. Toute l'île est évacuée pour cause de radioactivité. 6 ans durant, nul ne sera autorisé à mettre les pieds sur Fangataufa. Île Atlasov, Kouril septentrional. Russe, Ostrov Atlasova. Japonais, Raidoto. Début des années 1950, colonie pénitentiaire de femmes. Ce n'est pas du porteur de la voûte céleste que l'île tient son nom, mais d'un cosaque. Elle est constituée d'un seul mont qui émerge solitaire des flots et dépasse toutes les autres perles d'une chaîne d'îles aux plages de sable noir. Et ce mont que le peuple des Kouriles appelle Alaïde est plus beau que le Fuji. L'hiver, son sommet de basalte gris est paré d'un revêtement de neige immaculé. C'est le plus septentrional des volcans de cette partie de la ceinture de feu. Feu éclaté en îles éparses, il a 40 ou 50 000 ans, et l'harmonie de ses formes enchante l'œil. On raconte qu'il se trouvait jadis au milieu du lac des Kouriles au sud de Kamchatka. Il était si haut, si imposant, qu'il faisait de l'ombre à tous les sommets voisins. Ils s'en indignèrent, lui cherchèrent querelle, mais en réalité, sa beauté parfaite les faisait pâlir de jalousie. Le mont s'en affligea fort, se vit d'abord forcé d'abandonner sa place séculaire au milieu des autres. Il entreprit donc un long voyage pour se fixer, finalement, bien loin, à l'écart, dans l'océan. Mais en souvenir du temps passé dans le lac des Kouriles et en signe de deuil, il laisse à là son cœur qui se dit
Ochichi en langue Ainu, la langue des Kouriles, et cœur de roche en russe. C'est un rocher de forme conique situé maintenant au milieu du lac. Le fleuve Ozernaya, qui fait son lit dans le tracé de son périple, témoigne du long voyage qui fut imposé au mont. Quand celui-ci se souleva pour partir, l'eau du lac se précipita pour lui emboîter le pas. C'est ce mince cordon ombilical de couleur bleue qui relie encore le mont exilé à sa terre d'origine. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça m'enchante. Floriana, Banaba, Campbell, Pinjalap, Île de Pâques, Pitcairn, Semisopnoï ou l'île Aura, États-Unis, dans le monde aléoutien, 1741, découverte par Vitus Bering. Je vais finir par l'île Clipperton, ou île de la Passion, 1,7 km² inhabité, à 1080 km du Mexique, 2260 km des Galapagos, 950 km de l'île Socorro, et 1892-97, exploitation du guano par l'Oceanic Phosphate Company. 3 avril 1711, vendredi saint, découverte par Martin de Chassiron et Michel du Bocage. Puisque l'île Clipperton appartient à la France. Le bateau d'Acapulco n'est pas passé. C'est un croiseur américain qui apporte les nouvelles. Dans le monde, la guerre fait rage. Au Mexique règne le chaos. On les a oubliés. Leur général n'est plus au pouvoir. Pas une herbe ne pousse sur l'île. Sous une poignée de palmiers gisent une douzaine de porcs faméliques rescapés d'une horde naufragée. Ils se nourrissent des crabes à coco qui pullulent sur l'île. On ne peut pas faire un pas sans écraser une carapace orange. Ça crisse quand le gouverneur capitaine Ramon de Arnaud se promène sur son île. Comme toujours, il porte un uniforme de parade autrichien et son épouse une robe d'apparat et des diamants aux bras et au cou. Ce jour-là, il annonce « L'évacuation n'est pas nécessaire, les ordres sont les ordres. » La garnison restera donc 14 hommes, 6 femmes et 6 enfants. Nul bateau n'arrive, ni d'Acapulco, ni d'où que ce soit. Les provisions touchent à leur fin, le scorbut se déclare, les gencives saignent, les blessures s'infectent, les muscles s'atrophient, les membres se gangrènent, le cœur flanche. Ils enterrent les morts profondément pour les protéger de l'avidité des crabes. Un beau jour, le gouverneur ne supporte plus les cris perçants des oiseaux marins et le bruit du ressac. Croyant voir des bateaux, il met un canot à la mer, avec lui se noient les soldats qui restaient. Dès lors, ne subsiste qu'un homme sur l'île, Victoriano Alvarez, l'ancien gardien du phare désaffecté. Il se proclame roi, souverain de Clipperton, prend des maîtresses, viole, tue et sévira près de 2 ans. Le 17 juillet 1917, les femmes l'assomment à coups de marteau et lui massacrent le visage. C'est alors qu'un navire surgit à l'horizon. Femmes et enfants le hèlent, tandis que les crabes s'acheminent vers le phare, alléchés par le sang frais. Une chaloupe accoste au vieux quai de la Phosphate Company, et les 4 survivants quittent avec leurs petits-enfants l'atoll le plus isolé de la terre. Du pont du USS Yorktown, on distinguera longtemps encore le cercle orange des crabes du lagon. Judith Chalansky, Atlas des îles abandonnées. Magnifique traduction d'Elisabeth Land. C'était chez Artaud. Qu'est-ce que vous voulez ? Comme ça nous récompense de tout. Ça quoi ? Les livres.